Nous sommes exactement à 24 heures de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Sur les starting blocks, 5 athlètes gabonais. Virginia Emar Mbazogué, Adam Girard de l'Anglade Pali, Franck Wissi Opienda, Noélie Lacour, 17 ans, et Emmanuela Adora Yégué. Le président de la République, le général Brice Clotaire Oligingema, a fait le déplacement du village olympique pour donner du cœur au ventre à ses sportifs, valeureux représentants du vert, jaune, bleu, à cette rencontre qui réunit plus de 10 000 athlètes du monde. Vous êtes nos ambassadeurs. Depuis le 30 août 2023, nous allons de succès en succès. Des succès sur le plan diplomatique, des succès dans le domaine du sport, des succès dans le domaine économique. Et ce succès, tous les Gabonais l'attendent de vous. Le Gabon aux Jeux Olympiques de Paris, c'est la 12e participation de notre pays à cet événement sportif d'envergure planétaire. Nos athlètes sont des champions en athlétisme, en judo, en natation et en taekwondo. Pour ces derniers, c'est l'occasion de donner au-delà de ses performances. Une médaille pour moi, c'est quelque chose d'immense pour les Gabonais. Allez au-delà de vos performances. Et c'est le moment où jamais, parce que le monde entier vous regarde. Le village olympique fournit un accueil optimal aux athlètes. La participation des Gabonais à ces Jeux, que Paris abrite pour la 3e fois, est la matérialisation de l'engagement du gouvernement gabonais à garantir à ses athlètes des meilleures conditions de préparation et de participation dans leurs disciplines respectives. C'est cette médaille qu'ils attendent au pays. Peu importe. Bronze, argent ou l'or, le plus important pour nous, c'est d'avoir une médaille. Vous n'êtes pas nombreux, mais je sais compter sur vous. Et la République compte sur vous. Cette visite était également l'occasion pour le Comité national olympique gabonais d'évoquer les événements mis en œuvre pour soutenir les athlètes.